c'est un peu juste ici. Ah, salut. C'est une bien jolie ville. L'endroit est inondé. Voilà, haut d'un passage ici. C'est parfait. Ok. Tout en douceur. Quoi? Dans les oreilles. Je déteste ça. Je donnerais tout pour une serviette. Oh mon Dieu. Tu vois ce que je vois? Tu sais, là, tout de suite, je trouve pas les mots. Putain de bordel de merde. Bien dit. C'est quoi cet endroit? Une salle de trône? Une cachette pour une magnifique défense incrustée de joyaux? Espérons. Je vois des marches qui montent. C'est presque tout cassé. Faut qu'on trouve un autre chemin. Merde. Je viens de percuter un truc. Je crois savoir ce que c'est. On va bientôt avoir besoin du disque. Exactement. On ne peut pas faire grand-chose tant qu'on n'a pas trouvé Asav. Une idée pour monter? Je cherche. Par ici, Nadine. Ça marche. Ah, là, on avance. Bon, encore quelques manivelles dans la salle. La main bouge. Sois plus précise. La main droite. C'est peut-être parce que cette statue est énorme, mais je viens juste de remarquer que Shiva a un cobra royal en guise de collier. Bon, et maintenant? Bah, il doit bien y avoir un truc. Il faut juste que je trouve quoi. Il y a des prises de l'autre côté de ces fenêtres. Cool. Voilà.
Voilà. Ok, je m'occupe de celui-ci. Et le tambour de Shiva descend. Oh, on ferait mieux de bouger. Nadine ? Allez, saute vers le tambour. Je croyais que c'était un sablier. C'est un tambour en forme de sablier. Hé, doucement. Accroche-toi à quelque chose. Ok, doucement. Oh, c'est bon. Leur faire la même chose de l'autre côté. Prends pas de risque. Attends ici. Pas de problème. Il y a une autre manivelle juste devant. Toi qui fais ça ? Non, la statue s'anime. Wow ! Reste pas là. Pas de retour en arrière. Oh non. Oh non, 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 non. Merci pour le conseil, hein. Oh, j'ai eu chaud, là. J'ai failli laisser mon pantalon. Waouh. Je peux voir ma maison d'ici. Ah, une porte. Ça alors, vous ici. Ouais, et si on allait voir ce qu'il y a en haut? C'est tout? On va vite le savoir. La lumière tombe sur cette statue de l'autre côté. J'imagine qu'on n'a pas fait.
fini. Quand les Oysala veulent protéger quelque chose, ils le font pas à moitié. Allez. C'est quoi ça maintenant? Ah, et voilà. Ce truc qu'elle porte, c'est un prisme. De marcher. Ouais. Maintenant, occupons-nous des deux autres. T'avais raison. Évidemment. À propos de quoi? Ce que t'as dit à propos de cet endroit avec les statues et les haches. Tout vient toujours par trois. Trois pointes d'un brillant, la lumière se divise en trois rayons. Ok. Vu. Merde, celle-là est cassée. Fais voir. Attends. C'est bon ? Ouais. Voilà. Tu fais une incroyable statue. Viens par ici. Le truc est lourd. Je sais. Ça marche. Bon, ça a marché. Alors je peux poser ça? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien d'ici. Arrête de bouger une seconde. Toute cette eau, c'est une purification. Tu peux reposer le miroir. Ils nous ont trouvés. Prépare-toi. Thank you.
Eh bien, vous avez fait une sacrée chute. J'étais presque inquiet. Venez, quelqu'un vous attend. Il n'a pas dit un mot, malgré mes efforts pour le convaincre. Sam ! Merde. Hé, t'es venu ? Désolé. T'en fais pas. Il frappe comme une fille. Vraiment ? Et si on enlevait ces menottes que je te montre comment frapper une fille ? Qu'est-ce que tu fous avec elle ? Tu m'as dit d'aller chercher de l'aide. Oui, mais... Je dois avouer que vous êtes plutôt du genre rusé. D'abord, vous volez mon disque. Puis, vous demandez à votre expert de me mettre sur une fausse piste. C'est très malin. Vous avez peut-être un peu de sang indien, finalement. Chouette. C'est un compliment. Finissons ce qu'on a commencé. Oh, et doucement. Alors, Nadine Ross. La ferme. J'allais dire que t'as l'air en forme. T'as pas compris? Qu'est-ce qui pue? Oh pardon, Votre Altesse. Je n'ai pas vraiment eu accès au savon et à l'eau courante récemment. J'aurais... Eh oui, de tous les gens que tu aurais pu ramener. Elle m'a sauvé la vie plus d'une fois, tu sais. Au cas où ça t'aurait échappé, elle a aussi essayé de nous tuer un bon paquet de fois, Nathan et moi. Ouais, bah si tu te rappelles bien, à l'époque, vous avez voulu la tuer, vous aussi. Oui, mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que dès qu'on va lui tourner le dos, elle va planter un couteau dedans. Je vous entends, vous savez. Je sais. Moi, j'ai confiance. Tu sais quoi? D'accord. Je suis probablement un tout petit peu à cran, parce qu'on va repartir d'ici sans rien. Mais tu dois avoir l'habitude. Je me trompe. Oh, merde. Très mature, hein. Merci. Ça suffit, les enfants. On remet ça quand tu veux. Je t'attendrai à la récré. Oh... Dépêche-toi! Il semble que les rois aient une dernière épreuve. Bon, on dirait que vous avez plus besoin de nous. Alors on va vous non, laisser... Non, pas si vite. Vous devez connaître l'histoire. Vous voyez, Shiva offre à Parashurama la hache, qui tranchera la défense de Ganesh. Une arme tellement puissante que le propre fils de Shiva est vaincu. Une autre victime de la guerre. Non. Ouais, elle a raison, Chloé. Il va te tuer! C'est vrai. Mais si vous refusez... vous les regarderez mourir. À petit. Arrêtez! Fais pas ça! Parashurama et Ganesh. Chut.
Shiva et Parashurama. Et maintenant. Chloé, donne pas à ce débile ce qu'il veut. Tais-toi! À rude épreuve. Il cède. Elle va tomber! Tais-toi! Ganesh, t'as mis un sacré obstacle sur ma route. Tais-toi et regarde. Il a cédé. Oh. Hein? Ça va? Ouais. Je l'ai pas vu venir. Nom de Dieu. Elle en a dans le froc, hein. Mais... je comprends pas. Tu m'étonnes. C'est parce que vous avez tout compris de travers, mon cher. Ganesh a volontairement laissé la hache le toucher. Ça n'a aucun sens. Pas pour un connard dans votre genre, non. En fait, Ganesh aurait pu battre Parashurama les doigts dans le nez. Mais s'il l'avait fait, alors la hache de Shiva aurait eu l'air faible et inutile. Ganesh s'est sacrifié pour préserver l'honneur de son père. Même elle, elle a compris. Et pourtant, elle n'a pas une goutte de sang à dire. N'est-elle pas magnifique? Quoi, vous n'avez plus rien à dire? Je peux vous suggérer un endroit où vous la mettre. Mes bons amis, j'aimerais pouvoir vous tuer moi-même, mais ce serait un affront aux dieux après l'aide que vous m'avez apportée dans cette quête. D'accord, alors vous allez faire quoi? Tu vas inonder la pièce. Tu vas me manquer. Non mais sérieux, faut vraiment en arriver là? Dites-vous que vous n'allez pas vraiment mourir. Vous serez juste purifié pour renaître. Mets-nous une balle, qu'on en finisse. Oui. Quand l'eau remplira vos poumons, vous aurez le temps de réfléchir aux choix qui vous ont amenés ici. Et dans vos prochaines vies, vous choisirez mieux. Bon, ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des tas de regrets qui me viennent là tout de suite. M'en parle pas. J'aurais tellement voulu te casser la gueule encore une fois. Tu sais, mourir noyé juste à côté de toi, c'est pas vraiment ce dont je rêvais. Vous voulez pas la fermer, merde? J'essaie de me concentrer. Tu fais quoi? Patience et longueur de temps. Ha ha, ouais. J'arrive. Les dames d'abord. Chloé,
reste un peu humide. Super bien. Faut que j'arrête de fumer. À terre. Tu crois qu'il nous a vus? J'espère pas. Où est-ce que ça va trouver un hélico? Ça doit être l'acheteur. Comment ça? J'ai entendu Asaf parler d'une ancienne gare de triage, une histoire de vente d'armes. Il va vendre la défense. Drôle de façon de préserver sa culture. Hé, hey, attends une seconde. Écoute, tout à l'heure, merci pour... Je suis professionnel, c'est tout. Bien sûr. Sans rancune? Non. Je m'en doutais. Si on fait vite, on peut les intercepter avant qu'ils fassent l'échange. Ah, la voiture est là. Oh. Elles sont sympas. Là, je vois les rails. On s'arrête là. Ça va dû poster des guetteurs. Je vous conseille d'être prudent. Ouais. Pour qu'ils se tirent avec la défense. Tu sais, t'es pas obligé de... Je dis juste... Ça va. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît.